Cette maison réalise tous vos désirs. Y a-t-il quelqu'un? Que vois-je? Il paraît que dans cette maison, nous réalisons tous les désirs. Je vais vous ouvrir. Oui, c'est mieux. Merci. Bienvenue dans la maison du bonheur. Salut, Marius. Yes, tu me fais la fête. Ah, mais longtemps. Oui. Mais oui, mais c'est surtout que ça me manquait. Et il pleut. Oui, il pleut. Je suis là. Ouh. Ça va? Ça va et toi? T'es belle. Oh, bah merci. Waouh. Regardez, belle, hein? Toujours lookée. Basket, s'il te plaît, basket. Basket qui va avec la couleur de la combi. Ça ne rigole jamais chez Zozo. Jamais. Waouh. Elle danse. Merci pour ce merveilleux repas. Trop la joie. Trop la joie. C'est salut, c'est moi et ma sale gueule. Donc là, on va aller à Trouville avec Norman et Marius pour aller récupérer un paquet qui est dans une boutique, un point relais. Un paquet, donc c'est une paire de chaussures que j'ai dû me racheter. J'ai dû me racheter ma propre paire de chaussures. J'ai un peu le seum. En gros, je les avais laissées chez une nana qui me les a jamais rendues et qui m'a dit qu'elle les visualisait pas et que peut-être elle les avait jetées. Qui jette une paire de chaussures? Et j'ai eu une chance incroyable. Moi, j'ai toujours de la chance au final. C'est qu'elles étaient... je suis allée sur Vinted et je vais jamais sur Vinted. C'est ma pote Séverine qui m'a poussée à y aller. Enfin, c'est ma pote Séverine qui a été sur Vinted et qui les a trouvées à ma taille. Donc apparemment, elles seraient un peu abîmées. Mais je peux recoller avec de la colle. On verra bien. Mais je préfère les avoir que ne plus jamais les avoir. J'adore ces chaussures. Vraiment. Je les ai depuis 10 ans. C'est collector. Cette paire de chaussures, j'en ai fait une affaire personnelle. On attend Norman. Je sais pas quelle heure il est. Il arrive à 11h. Donc comme j'ai pris une douche, tout ça, il doit être moins 10, je pense. Moins 5. Et puis voilà. Et je vous emmène avec moi. À plus. Ciao. T'as quelque chose à dire, Marius? On va à Trouville. Il est blasé. J'attends Norman. Eh, vous savez qu'on est 29 maintenant. Ouh. Allez, faut monter. Il y a quand même des quarantenaires qui regardent YouTube, c'est pas possible. Je ne mettrai pas cette phrase. Bon, bah je suis une grosse branque parce que j'avais oublié mon appareil et j'ai pas pu filmer le trajet pour aller chercher mes chaussures. Je viens de rentrer et je disais ouais, j'ai donc pas pu filmer le trajet, mais... j'ai la boîte. Déjà, on va voir l'état des chaussures. Ce serait pas un unboxing? Eric, attends, j'arrive. Tadam! J'enlève même pas mon manteau tellement j'ai hâte, en fait, de voir dans quel état elles sont. Parce que pour 35€, une paire de pompes quand vaut 220, ça me paraît bizarre. Et j'ai un petit mot. Putain, c'est trop cool, Vinted. Merci pour votre achat. Bien à vous, Vanessa. Mais hé, hey, trop merci, Vanessa. Yeah! Déjà, la chaussure droite, elle est parfaite. Parfaite. Et la chaussure gauche... oh, les a recollées. En tout cas, je vais les essayer maintenant. Ah, mais laisse tomber, quoi. Elles sont nickel. Je suis joie. C'est exactement mes bottes. Quand tu kiffes vraiment une chaussure, une paire de chaussures, bah ça s'explique pas quoi. Et là, limite, elles sont en meilleur état que celles que j'avais. Donc, bon karma. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Alors, on va continuer cette journée. Faut que j'appelle, faut que je prévienne. Oh, je vais appeler Séverine. Hey, merci beaucoup, Vanessa. Je sais pas si je peux te répondre sur Vinted ou pas. Merci, je suis trop contente. Vous ne savez même pas comment je suis contente. Eh oui, tout ne tient qu'à une paire de chaussures. Ah, je suis trop contente. Ciao.
Ça fait un an. En fait, j'aime pas mettre des fleurs sur la tombe parce que après j'ai plus mon spot pour m'allonger. Bah, je sais que c'est pas normal de s'allonger sur la tombe de son mec, mais en fait, qu'est-ce qui est normal? Qui décide de ce qui est normal ou pas? Je sais qu'il est en dessous de moi. Voilà, on est mercredi. Super le vlog. Alors, expédition. Nous arrivons dans 210 mètres. À quel food? Attends, mais c'est quoi ce truc? C'est génial, regarde. Oh là là, c'est trop beau. Mais on est où là? Et pourquoi personne nous arrête pour nous dire il y a des cerfs et tout? Oh, c'est un trafic de drogue. Je dis, c'est chelou. Attends, on est dans un cartel là. Comment je vais faire demi-tour là? On a le 4x4. On a le 4x4 de Jack Bauer ou pas? Ok. Et du coup on n'a pas trouvé quoi. On n'a rien. Tu n'auras pas de sport, tu n'auras pas de... Cette nuit je crois que je me suis dit que je ferais bien une télé-réalité en fait. Ah mais toi tu serais parfaite dedans. Oh, ça se trouve j'aurais un bon capital sympathie. Ah oh, j'ai les dents jaunes. Moi j'ai les dents jaunes. Hein. Hein. Ça se trouve les Français ils m'aimeraient bien. Tu te touches pas à Marius, ok? Si ça se trouve. Tu vois? Moi? Ouais, le chanteur, et à côté t'as le selfie. C'est le nom Zozo. Je mets mes gants et j'arrive en scooter, ok? Et cette fois-ci, je vais pas me casser la gueule. Ah, ça c'est les lunettes d'Eric. Alors, la dépression, ça va au-delà des dents pourries. Vraiment. La dépression, c'est un truc, c'est une maladie très grave. Comme quand tu te casses une jambe et que tu mets pas de plâtre en fait, faut mettre du plâtre. Il y a plein de gens qui veulent pas plâtrer ça parce que c'est pas admissible. Et moi je pense que les gros youtubeurs, ceux qui ont plein de visibilité, devraient en parler plus souvent. Moi je suis en dépression, mais attention, je suis hyper cool. C'est-à-dire que je rigole bien avec mes copains, mes copines. Quand je suis en société, tout va bien. C'est quand je suis toute seule où il y a un problème. Mais j'avoue que j'ai une équipe de choc parce qu'en fait je suis rarement toute seule. J'ai toujours une copine qui vient me voir. Mais il y a quand même ce moment de solitude. Et surtout, la dépression, c'est glauque hein, de parler ça dans un cimetière, mais en même temps, c'est hyper réaliste. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que c'est au niveau du travail et du quotidien où ça se ressent le plus. Tu vois, je fais plus rien depuis un an. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets dans la tête, mais j'arrive pas à le faire. Voilà. En tout cas, les gars, il n'y a pas de honte à pleurer, à être en dépression, à vouloir... Enfin, avec toutes ces idées noires, mais... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la vie est une fête et qu'on a tous un carton d'invite. Allez, kiss kiss. Si tu veux liker cette vidéo et t'abonner à mon compte, vas-y. Hein. C'est pas un compte de vrai dépressif, hein, pour de vrai. Un compte, une chaîne. Santé. Et allez, si vous avez l'occasion, faire la fête avec vos défunts. Fumer, c'est pas bon pour la santé. Mais je crois que ça nique le Covid. Allez, kiss kiss. Fuck la dépression. Ciao. Bah c'est re-moi. J'ai pas mis les micros mais je pense que le son ça va aller quand même. Tu veux que je mette le micro? Moi j'aimerais bien vlogger ma vie, tu vois, faire des vlogs et avoir... Santé, c'est l'apéro. Je suis pas toute seule hein. Je bois pas quand je suis toute seule. Je cherchais les micros parce que je sens que j'ai envie de parler. Ma vie t'es là, pareil à raclette vite. Et puis avec les petites coups.
Pellez-le, jambon de Bayonne que j'ai acheté. Et les petites pommes grenailles qui sont sur lequel. Écoute, les patates sont en train de cuire. On a plus qu'à y a plus de feu hein, sous les patates. Hein. Oh punaise. Oh non, mais c'est pas possible. L'autre, elle est en train de faire des vidéos et on avait même pas foutu de mettre des flammes sous les patates pour les faire cuire. On va manger à quelle heure? Oh là 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 là. Et j'enlève le son, et j'enlève le son, et j'enlève le son, et j'enlève le son. Je veux bien admettre, enfin, clairement, j'ai même pas besoin d'admettre parce que c'est une vérité, je fais plus 20 ans, j'ai plus 20 ans. Mais les gars, s'il vous plaît, même les meufs, ça va quoi, franchement. Et je vais dire, je crois que même je suis plus jolie que quand j'avais 20 ans. En admettant que tu me trouves jolie. Et je m'en fous, j'arrêterai pas de le dire. C'est pas parce qu'on a 40 ans, voire plus, qu'on peut plus faire les choses, quoi. C'est pas vrai. La vie et la fête n'est pas réservée qu'aux gens qui ont 25 ans, quoi, ou 30 ans. Et ça, il va falloir, une fois pour toutes, se le mettre dans le crâne. Bah oui, c'est tout ce que je dis, moi. Tu peux avoir 40 ans et faire des trucs, hein. Il y a Séverine qui vient d'arriver, je change de sujet. Qu'est-ce qu'elle raconte, la vintage? Séverine nous a ramené un petit rosé. J'aime bien parce que quand elle est arrivée ici, elle me dit « Ouais, j'ai pris une caisse comme ça, il y en aura pour Fred. » C'était mal me connaître. Chante-nous une chanson. Est-ce que tu veux chanter ? C'est un long roman, c'est une belle histoire. Sur l'autoroute des vacances, c'était bien leur jour de chance. Ta-da-da, la providence. Ta-da-da, au lendemain. Merci pour... Coucou les MILFs. C'est les MILFs. Enfin, moi je suis la moitié d'une MILF. Parce que j'ai pas d'enfant, mais je suis une MILF quand même. Ah, tous ces vlogs que j'aurais pu faire et que je pourrais faire et que je ne fais pas. J'ai pas pris mon téléphone, hein. Bah prends ton téléphone, non? Pour la musique. Non, il est pas dans mon sac, c'est sûr. Et je sais où il est sur le... C'est le plateau tournant. Je mets ça dans le coffre. Coucou. Bon, alors là, on va faire la séance auto avec Sèvres. Je suis à contre-jour, non? Si je me mets là, c'est mieux. Bah je referme le coffre. Ciao, ciao, à plus tard. Je crois qu'elle trouve pas son téléphone. My name is Jack Bauer. Bon, dis donc, c'est une plaisanterie ou quoi? C'est ma voiture. Franchement, ça me va bien. On y croit. Oh, j'ai chaud. Oh. Vas-y, monte, passager, deux secondes. Monte là. J'ai ma pote qui arrive. Elle va se mettre au côté passager parce que c'est moi qui conduis. Va à 4h30, t'as ton permis? Bien sûr, j'ai mon permis. Tout est permis à 4h30. Oh, monte à côté. Il fait chaud, mais cette voiture est trop chaude. Bah, ouais. Allez, vas-y, laisse-moi crédible. Déjà qu'elle est plus belle que moi, alors si elle conduit mieux que moi. Oh, j'ai ma sainte. Mais viens à côté, toi, là. Elle veut pas venir. Viens, passe à côté. Ça suffit, mademoiselle. Mais fais un plan de seconde où tu rentres. En tout... Allez, fais genre, je te conduis. J'ai ma pote qui arrive là. Je dois la déposer à la gare parce qu'elle a une séance photo à faire et on est déjà en retard. Hi, voilà, I'm Jack Bauer. C'était pour la blague. Je reprends ma veste. Et vous savez pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on a la voiture de Jack Bauer. Ah mais c'est bien, c'est vrai qu'avec la voiture on peut trop rentrer quoi. Voilà. Hop, venez connu. When you grow up, you'll be fine. I know. Merci la vie. Tu dis merci la vie.
Et sinon, on s'est tapé un kiff, nous. La Fashion Week 2022, on l'a faite. La Fashion Week en Normandie. Et ben voilà, tu vois. It's our secret. Ciao, ciao. On se retrouve sur les rails. Sur les rails. Sur les rails. Mais pas pour partir. Pour mieux revenir. Partir un jour sans détour. Effacer notre amour. Sans se retourner. Ne pas regretter. Et ben c'est ce qu'on va faire. Exactement. Ciao, ciao. Alors là, on est dans la deuxième session. On va aller se prendre en photo sur des rails. Bienvenue dans notre vie, hein, de vacancière. Dans notre vie d'instagrammeuse vacancière reconfinée. Voilà. On n'a pas les masques, mais on a fait nos tests PCR. Et il y a. Et ça fait juste un peu. Personne, quand même, quoi. Ça fait juste un peu 4 semaines, voire 8 semaines qu'on vit ensemble. Voilà. Non-stop. Donc, hein, tout va bien. Mais on voulait juste préciser quand même que nous n'étions pas, en plus d'être folles, insouciantes. Et que on n'a pas de masque, mais je vais vous refaire un plan. Il y a personne. En fait, c'est le Far West. Hein. C'est il y a personne. La voiture là-bas, c'est la voiture de Séverine. Il y a personne. Il y a que nous. Non, c'est pas la voiture de Séverine. C'est la voiture de Jack Bauer. On attend Jack. Bah, je crois qu'il est à la studio. Toi, ça caille là. Bah ouais. J'ai rien pris moi. Non, mais on va le faire vite fait. Oh, il est beau ce plan. On va faire les photos sur les rails. Donc on va se faire engueuler sûrement. On sait pas, on verra. C'est l'aventure PK Express. C'est vrai, viens, vite. Une voiture, je fais du temps. Allez, allez. Ah non, mariée au premier regard. Oui, je viens de choper, mais attends. J'ai une voiture qui arrive pour PK Express. You've got questions on your mind. Life is gonna happen. La Zozo mobile. Alors, des superbes lasagnes. Ça y est. Oh. Oh. Elles sont gratinées bien comme il faut. C'est toi qui as fait? Bien sûr, j'ai passé toute la matinée. Ça fait 48 heures. Je vais aller sur le bout. Mais non, c'est vrai. Je croyais que tu l'avais fait. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Zoé Tellier. Zoé Tellier a plein de choses à vous dire. Elle voudrait que l'univers s'occupe d'elle. Ta Zozo, qu'est-ce qu'elle a dans son petit cerveau? Rien du tout, que de l'amour. Ta Zozo. Vraiment, accroche-toi. Là, on est plus fort. Elijah ! Aïe, ça pique. Quoi ? C'est mon meilleur pote. Dans la voiture. Ouais, bah lui, c'est mon meilleur copain. La caméra, tu ne voyais pas rentrer dans la voiture. T'es trop sale. C'est la voiture de Jack Bauer. Tout est fini entre nous. Tout. J'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Mais c'est faux là.